En fait, je comptais vous amener d'abord dans un endroit très 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 vieux. Et puis finalement, on passe à côté de ce bar et j'y suis allée qu'une seule fois. Un bar très simple où on n'essaie pas d'en mettre plein la vue. C'est juste un endroit où il y a des habitants du quartier qui viennent souvent, qui s'y retrouvent pour discuter. Et c'est un lieu plutôt convivial, quoi. Des vieux qui jouent aux cartes, des femmes qui passent comme ça après leur marché, dire bonjour. Enfin voilà, il y a des jeunes aussi de temps en temps. Et du coup, je trouvais qu'il y avait une ambiance, ça faisait un peu famille, quoi. C'était la première fois que j'entre dans un bar de ma vie. Ben, il y avait des tableaux et tout, c'était trop bien. Et les tables sur lesquelles elles jouent les cartes et tout, c'était bien. On devait visiter des endroits et on est passé. On a vu une maison et on est rentré. C'est un cabinet d'avocat, déjà. On a vu un petit jardin avec un puits. Et voilà, c'était beau. On n'aurait pas cru en fait qu'il y avait ça derrière la porte. On a mangé les fruits, ces genres de petites maisons où je pense pas qu'on ait le droit non plus de rentrer habituellement, mais des petits lieux comme ça, simples, à côté de chez nous. J'ose pas en fait rentrer dans une maison qui est même entrouverte, je pourrais pas me permettre de rentrer en fait. Et est-ce que maintenant tu le ferais? Par curiosité, oui. Pour voir qu'est-ce qui se passe derrière la porte. Nous, dans nos quartiers, on s'ennuie un peu, il n'y a pas des beaux endroits comme ça. Donc là, c'est proche de chez moi. Je prends le tram, je peux aller avec mon mari, je peux aller. Oui, c'est ce qui m'a plu, en fait, de pouvoir avoir des beaux endroits où on peut se reposer, s'apaiser tranquillement, sans forcément consommer, sans forcément dépenser. Voilà, pour ceux qui n'ont pas tout simplement déjà les moyens. Et puis, c'est tout simplement beau, en fait. C'est reposant.